One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Qui dit début de semaine dit on reprend les choses un petit peu tranquillement sans se prendre la tête comme tous les lundis. Et donc, petite revue aujourd'hui d'un robot en fait que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a peu de temps lors d'un unboxing et plus précisément donc du Fightbot qui n'est autre que le KO du Diaclone Multiforce 14. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini-moi et mini-mini-moi, quant à eux, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure dans Diaclone. Ouais, allez tchuss. Et voici tout de suite un petit aperçu de notre team, ou comme son nom l'indique, Multiforce 14, en tout cas pour celui-ci, Fightbot, puisqu'il s'agit d'un KO, nous avons donc 14 véhicules formant donc le tout puissant Multiforce 14. Voilà, 14 véhicules qui s'assemblent pour devenir un robot géant. Donc bootleg sorti en 84, donc soit à peu près un an ou deux après l'original de chez Takara, et fabriqué donc comme de nombreux bootlegs de l'époque à Taïwan. Voilà, à savoir que la version officielle Multiforce 14, donc voilà, est à la base en rouge, qu'elle existe aussi pour les États-Unis sous le nom de Chronoform Takara, donc pour les States, et ensuite pour le marché anglais, donc sorti sous le nom de Convertors, du distributeur et fabricant Grandstand. Alors oui, 14 véhicules, mais voilà, pour être honnête, et comme vous pouvez le constater, hein, il n'y a vraiment que 8 véhicules principaux, puisque la plupart, comme ceux-ci, sont en double. Donc nous avons 2 véhicules principaux, donc dont le véhicule de tête, et puis tous les autres, donc des mini-véhicules, qui pour la plupart sont tous, comme vous pouvez le constater, des jets, des petits vaisseaux futuristes pour l'époque, hormis donc ces deux petits véhicules-là, qui sont des véhicules terrestres, pourvus de chenilles, voilà, tout en chrome, hop là, voilà. Donc la conception est vraiment ultra simple. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que pour du bootleg de l'époque, on a vraiment un produit similaire. Il n'y a vraiment que la couleur qui change par rapport au Multiforce 14 de Takara. Pour le reste, les plastiques sont identiques et on retrouve notamment pour les deux vaisseaux principaux qui forment donc une partie de l'armature centrale du robot. Donc ces deux véhicules-là sont en métal véritable, bon vieux diecast. Donc voilà, hein, la qualité est vraiment identique. C'était vraiment donc voilà sous l'aspect et sous les couleurs surtout que et les stickers également puisque voilà les stickers changent un petit peu par rapport au Multiforce 14, mais sinon pour tout le reste c'est absolument identique. Petite chose qui change aussi, c'est que voilà, on n'avait pas forcément dans tous les pays donc les petits Dianautes. Alors si vous vous souvenez de ma précédente revue Diaclone, les Dianautes sont les petits pilotes que vous avez juste ici avec bras et jambes articulés, donc qui pouvaient prendre possession, qui pouvaient piloter chacun des véhicules. Donc dans certains pays, malheureusement, nous n'avons pas eu ces figurines-là, mais elles sont tout à fait compatibles. Alors je vais vous montrer plusieurs exemples et vous allez voir ça tout de suite. Voici par exemple pour les véhicules 7 et 8. Pour les véhicules 5 et 6, juste ici. Pour les véhicules 3 et 4. Et pour finir, pour les véhicules 1 et 2. Et ça, c'était vraiment super cool. Chose qu'on retrouve toujours dans les gammes reboot Diaclone actuelles. Et qu'on a eu l'occasion aussi d'avoir avec Hasbro et ses gammes Titans Return. Voilà, quelque chose que j'aime beaucoup, la possibilité de pouvoir toujours inclure une petite figurine aux commandes d'un véhicule ou d'un vaisseau. C'est pas grand chose, mais c'est un plus. Et au niveau jouabilité, tout simplement, bah on a un level un peu supérieur.
Alors, concernant les véhicules à proprement parler, vous voyez, on a vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Alors pourtant, hein, à l'époque, ça cartonnait. Voilà, c'était un jouet qu'on voyait absolument partout, dans tous les catalogues de vente par correspondance, dans les catalogues de jouets, dans les magasins, dans les boutiques. On a eu sans doute plus facilement donc cette version Multiforce, cette version pardon Fightbot, donc la version Keo, que la version officielle. Celle-ci se trouvait vraiment absolument partout, et puis elle était vendue vraiment à un prix modique. Alors pas grand-chose à dire, hein, voilà, ces petits vaisseaux-là sont vraiment constitués de plastique. Au niveau des moulures, bah, c'est vraiment voilà, c'est vraiment très très plat. Quelques petits détails ici et là. À la rigueur, les fauteuils qui sont peut-être un petit peu plus détaillés. Par contre, voilà, on a des jolies pièces en chrome qui a plutôt bien vieilli. Et tous les véhicules donc sont pourvus de petites roulettes. Voilà, donc pour le bloqueur 8, puisque le concept aussi c'était donc ce fameux type bloqueur. Voilà, donc pour ces deux véhicules-ci. Pour le véhicule 7, là encore, pas grand-chose à dire au passage, hein, des petits stickers comme tous les véhicules, justement. Toujours ces petits fauteuils, ces petits sièges, voilà, avec des petites stries ici et là, des petits détails vraiment très très légers. Les véhicules sont vraiment absolument ordinaires, rien de spécifique, pas de lance-missile intégré sur les petits véhicules, rien du tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la simplicité à son paroxysme, mais vraiment voilà, c'est vraiment en mode robot, pardon, voilà, que le robot prend tout son intérêt. Pour le véhicule 6, voilà ce que ça donne. Là encore, hein, pas grand-chose voilà, de mirobolant, de spectaculaire, quelques petits autocollants, toujours le fauteuil, le siège passager, enfin le siège de conducteur du moins, voilà, un peu plus petit que les autres. Là encore, les chromes sont parfaitement conservés. Pour ce véhicule-ci, qui se démarque peut-être un petit peu du lot, moi c'est voilà, c'est sans doute un des tout petits véhicules ici, c'est vraiment celui-ci que j'aime le plus, avec son espèce de gros, voilà, de gros pare-chocs à l'avant, prêt à tout défoncer, le système de chenille sur les côtés, hein. Donc voilà, pour celui-ci, pas grand-chose de plus à dire. On a l'ergot de fixation ici qui est apparent. Pour ce véhicule-ci, pareil, pas grand-chose à dire. Alors on pouvait imaginer que cette partie-là était une sorte voilà, de canon laser. Voilà. Ça manquait un petit peu de lance-missiles et autres pour les mini-véhicules, mais bon, voilà, de par la taille de ces derniers, voilà, on ne s'attendait pas non plus à énormément de choses. Voilà. Pour le numéro 3, voilà, là encore avec des chromes parfaits, on a toujours les petits, voilà, les petits canons ici sur les extrémités des ailes, les petites roulettes. Voilà, pour celui-ci, un peu plus détaillé pour les véhicules de tête, notamment, voilà, le vaisseau numéro 2 qui vient former donc le bassin, et donc toute cette partie-là en noir est en métal. Voilà, avec les fixations et autres. Voilà, un peu plus soigné que les autres, mais toujours pas de lance-missile sur celui-ci. Et puis donc sur le vaisseau principal, voilà, le Fightbot numéro 1, nous avons donc ces deux lance-missiles, juste ici, voilà, qui sont amovibles. Alors je n'ai plus les missiles en question, bien entendu. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, je les trouverai peut-être un jour comme ça en chinant ou sans m'y attendre. Je n'ai pas non plus le lanceur, puisqu'à la base, il était possible de lancer tous les véhicules avec un lanceur spécial qui servait de base de support, donc pour poser le robot dans sa dans sa dans sa dans son mode combiné. Voilà, au dos ce que ça donne. Pas grand-chose à dire, et on retrouve donc toujours les petites roulettes en dessous. Voilà, tout en métal, un peu plus robuste que les autres, puisque, comme je vous disais, hein, c'est vraiment la structure principale du corps, là où les autres véhicules viennent se fixer. Concernant la transformation, à présent, nous avons quelque chose de vraiment déconcertant, mais le gros avantage, une fois plus, un petit peu comme les Gobots, notamment, entre guillemets, ou les Zebots, Dinabots, c'est que, voilà, on passait très facilement du mode vaisseau au mode robot, donc la jouabilité était vraiment immédiate, sans prise de tête ou quoi que ce soit. Donc nous allons commencer, du coup, bah, par, voilà, l'élément principal du vaisseau. Je vais retirer, donc, les lance-missiles et les mettre de côté. Voilà, vous le prenez, vous le mettez dans ce sens-là. Ensuite, vous prenez celui-ci, vous venez clipser ces deux-là fermement l'un sur l'autre. Ainsi, vous pouvez remonter ou abaisser
les ailes selon votre bon vouloir. Ensuite, hop là, vous prenez cette partie-là, vous rabattez les ailes comme ceci. Vous venez ensuite prendre ce vaisseau-là, juste ici. Et pour l'assemblage, c'est tout simple, vous avez cette pièce-là qui va venir s'imbriquer juste ici, comme ceci. Voilà, rien de vraiment sorcier. Et ensuite, vous prenez cette partie-là qui va former à la fois le poing et l'avant-bras. Vous venez loquer le tout comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre le poing en place. Cette tête-là, donc, est pourvue d'une petite rotation, tout comme l'articulation, mais nous reviendrons dessus tout à l'heure. Petit focus, monsieur, focus, s'il vous plaît. Ensuite, vous prenez donc cette partie-là, vous avez ces pièces-là, logiquement, voilà, vous venez caler le tout, comme ceci, hop là. Même étape pour le second bras, donc vous prenez, hop là, cette partie-là, vous rabattez les ailes sur le bloqueur numéro 3, comme ceci. Vous venez clipser cette partie-là et ensuite vous venez fixer le point. Hop, voilà. On relie le bras au corps comme ceci. Et nous avons du coup, voilà, le haut du corps de constituer. Je pose ça de côté en attendant. Ensuite, nous passons à ces pièces là, vous positionnez cette pièce comme ceci, vous avez ensuite, voilà, l'extrémité du véhicule de celui-ci que vous rabattez vers l'arrière comme ceci, vous venez loquer l'ensemble comme ceci, voilà, vous pouvez rabattre ces pièces là de façon à masquer l'ouverture du cockpit. Ensuite, on termine par ce pied-là. Vous rabattez, là encore, les ailes vers le haut. Et vous n'avez plus qu'à venir loquer ce qui va former la première jambe, dans un premier temps, suivi, hop, de la seconde jambe. Hop, tac. Et enfin, donc le pied, on rabat le tout. Voilà, nos deux jambes de prête. Et pour finir, donc, plus qu'à faire fusionner l'ensemble, on reprend le corps. Vous avez deux ergots ici et ici qui viennent respectivement se fixer là et là. Alors, on va commencer par la première jambe du coup. Voilà, pour la première jambe, hop, la seconde, on clipse bien, on lock bien, et ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter cette pièce-là, voilà, de façon à dévoiler le visage. Et voilà donc notre multiforce partiellement transformé. Vous pouvez ensuite, voilà, vous avez plusieurs possibilités, avec donc les lance-missiles, voilà, que je mets dans le beau côté, hein, les stickers bien entendu vers l'extérieur. Vous avez plusieurs ports, donc vous pouvez soit les placer aux épaules, soit les placer ici. Personnellement, moi je préfère les remettre au niveau, voilà, de la poitrine. Et voilà, mesdames et messieurs, notre petit Fightbot AK Multiforce 14 transformé. Yes! Et petit 360 à présent, donc, de notre Fightbot dans son mode combiné. Quelque chose de cohérent. Alors certes, c'est un petit peu kitsch, même un peu beaucoup aujourd'hui. Je le rappelle, hein, si on se remet vraiment dans le contexte de l'époque, on est en 83-84, soit bien plus de 35 ans, presque 40, hein, pas loin des 40 maintenant.
Et pour l'époque, donc, c'était quelque chose de sympathique, avoir une petite escouade de 14 mini-véhicules avec les petites figurines avec lesquelles on pouvait s'amuser et faire fusionner le tout, donc, pour former un petit robot. Robot qui n'était pas très très grand, hein, si on compare par exemple avec... allez, je vais prendre Mini-moi, viens par ici, petit bonhomme. Non, laisse-moi tranquille! Voilà. Et ben voilà, vous voyez, hein, le robot n'est pas énorme. Voilà, donc ça prend pas de place, c'est sympa. Vraiment, vraiment plutôt pas mal. Alors moi, c'est vrai que j'ai du mal à être un petit peu objectif, pardon, parce que c'est, voilà, c'est mon enfance, c'est ma jeunesse, ce sont mes souvenirs. Donc voilà, moi, cette pièce-là, je l'adore. Une pièce que je voulais vraiment avoir quand j'étais môme, mais bon, bah, comme on pouvait pas tout avoir, et puis que nos parents n'avaient pas forcément les moyens de nous acheter ce qu'on voulait, hein, les jouets à l'époque étaient déjà très chers, et quand on est d'une famille d'ouvriers, bon, bah, voilà, voilà, il y a des budgets à respecter, et donc des choix à faire également, mais voilà, aujourd'hui, donc, je l'ai, voilà, enfin à moi, même si ce n'est pas la version officielle Takara, j'en suis néanmoins extrêmement satisfait. Petit zoom à présent sur le visage qui, pour le coup, et contrairement donc au Kingdom que je vous ai présenté il y a plusieurs semaines, donc si vous n'avez pas vu la revue, je vous invite à la regarder, hein, ce sera dans la rubrique Kyo ou Diaclone, enfin vous le trouverez facilement dans mes playlists. Donc contrairement donc au Kingdom, celui-ci a quand même le visage vraiment pas mal foutu. Les traits sont un peu plus mieux dessinés, un peu plus précis, avec donc les yeux en jaune, et puis donc c'est voilà, ces grandes antennes qui étaient aussi une caractéristique assez commune des jouets d'Diaclone, voilà, proéminente, avec donc toutes ces couleurs et cette voilà l'ajout de chrome aussi, du métal qui viennent voilà parfaire un petit peu cette figurine, vraiment voilà très très sympa. Le vert, enfin cette couleur là me fait penser aussi à certaines versions de Devastator G1, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà, vraiment un petit véhicule sympa, un petit robot sympa du moins, avec le visage quand même un peu plus soigné que la plupart des anciens robots Diaclone, si on fait exception bien entendu, donc des Diaclone qui ont servi pour faire la gamme Transformers. Concernant les articulations à présent, elles sont assez limitées comme de nombreux robots de l'époque, encore plus lorsqu'il s'agit d'un combiner, avec des véhicules aussi petits. Donc voilà, les articulations du fait sont un peu beaucoup limitées, on va dire. La tête est fixe, pas de rotation possible des bras de part, donc le système de fixation. Vous pouvez par contre, voilà, bouger les avant-bras de l'intérieur vers l'extérieur et également donc effectuer une rotation si vous souhaitez, voilà, plier le coude comme ceci. Donc nous avons le point que l'on peut légèrement pivoter de gauche à droite, pas de rotation de bassin, rêvez pas, pas de grand écart JCVD non plus, ni de grand écart latéral. Voilà, pas d'articulation au niveau du pied, c'est du rigide, tout simplement, rigide, rigide, rigide. Mais voilà, c'est ce qui, hop là, où je viens de me faire une frayeur, c'est ce qui assurait aussi donc la robustesse et la longévité du jouet, puisque aujourd'hui, vous voyez, encore hein, pour un jouet de cet âge-là, je le trouve encore vraiment propre, à part quelques stickers manquants, mais voilà, globalement, il a plutôt bien vieilli et surtout pas trop abîmé. Pour finir, petit comparatif et petite photo de famille avec deux autres bootlegs juste ici, dont celui-ci qui m'avait été offert par mon poteau Fred, qui m'a filé au fur et à mesure du temps, donc il manque toujours un morceau du bras et de l'avant-bras. Mais voilà, il est quand même relativement complet, avec donc pour particularité d'être en plastique souple. Par contre, vous voyez, tous les véhicules pouvaient vraiment, comme celui-ci, se décrocher, se déclipser. Donc là encore, on a 14 véhicules avec donc pour particularité hein, ce petit réveil cristaux liquides qui était intégré donc au niveau de la poitrine. Voilà le petit gadget de l'époque. Voilà, que je n'ai pas eu non plus et que bah voilà, du coup bah j'en avais pas eu et maintenant j'en ai deux. Donc comme quoi tout peut arriver. Et voilà donc pour la petite famille de ce trio.
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Fightbot AK Multiforce 14, donc chez, enfin dans la gamme Diaclone de chez Takara. Celui-ci, je le répète, est un bootleg. Que dire de plus, voilà, pour l'époque c'était vraiment du super jouet, aujourd'hui c'est un peu kitsch, c'est un peu mal vieilli, mais ça a quand même lancé un petit peu entre guillemets le concept hein, du robot combiner. Voilà, que dire, les matériaux sont de bonne qualité, on a du métal, chose qu'on n'a plus aujourd'hui sur des gammes de jouets dites standards. Aujourd'hui c'est du full plastique, alors certes peu articulé, mais voilà, c'est quand même robuste, un jouet qui nous est vraiment rêvé durant notre enfance. J'espère donc du coup vous avoir, pour les uns, fait découvrir cette petite pépite, pour les autres fait redécouvrir voilà ce jouet emblématique de notre enfance. Comme toujours, hein, n'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires, vos impressions, etc. etc. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous off caméra. Et puis que dire de plus, si, tout simplement un petit coucou donc aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, merci de me faire confiance et de rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous. N'hésitez pas aussi à participer, à commenter. Les merci d'avance aussi pour vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir. De gros bisous, plein de gros bisous donc aux plus anciens, toujours là, fidèles au poste. Et puis, que vous souhaitez de plus, une bonne semaine. Ah si, petite chose, donc, on se retrouvera bien évidemment donc fin de semaine pour une petite revue qui sera encore axé sur la gamme masque. Alors je vous promets, je fais encore un masque cette semaine, un autre la semaine prochaine, et après je vais donc espacer un peu plus les revues masques entre elles, hein, histoire de repasser à des robots et à d'autres types, donc du Gobot bien entendu, du Megazord, du Super Sentai, etc. etc. Donc les revues masques encore un petit peu donc pour cette semaine, la semaine prochaine. Après, je prendrai un peu plus d'espace entre chaque revue. Et donc, pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous montre tout de suite donc de quelle revue, justement, il va s'agir. Voilà, ni plus ni moins que le Shark de Gloria Baker. Une création, encore une fois, donc de Cliff Dagger, sachant que, pourtant, étonnamment, cette voiture était quand même assez présente, et le personnage d'ailleurs dans le dessin animé de l'époque, mais étonnamment donc il n'est jamais sorti en jouet. Donc Cliff Dagger, le créateur hein, que vous avez pu voir donc lors de ma précédente revue du Big Stomp, donc la remorque de Rhino, et également donc du sous-sol masque, mais il fait encore plein de choses hein, les masques en civil, enfin bref, il y a tout un tas de petites créations à son actif, voilà, avec le packaging hein, vraiment fidèle donc à l'époque. Donc voilà, je vous donne rendez-vous fin de semaine pour la présentation du Shark. D'ici là, bon courage à vous, plein de bonnes choses, faites gaffe, donc protégez-vous bien, n'oubliez pas vos masques, faites attention de ne pas choper cette saloperie hein, qui est de maintenant de plus en plus présente et qui fait quand même pas mal de mal. Et puis, que vous souhaitez de plus, voilà, tout le meilleur possible, tout le bonheur possible, et toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis. Bye bye, tchuss. Menez-moi. Ah, merde. Ouais, mec, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, toi, si tu voulais un Diaclone, tu m'as dit la dernière fois. Ah bah ouais, j'aimerais bien avoir un véhicule Diaclone, ce serait trop la classe. Ouah, t'imagines? Ouais, eh ben viens voir, je t'en ferai une surprise. Tu vas être trop content. Ah ouais, c'est quoi, c'est quoi? Allez, sois-moi. Tadam! Mais qu'est-ce que t'as foutu, mec? Mais tu m'as désossé mon véhicule! Mon Milka, il est tout en miettes! Mais j'espère que t'as trouvé un moyen pour pouvoir reconstituer, tu sais, comme les Diaclones, un système où tout se remet automatiquement. Oh, bah non, ça j'ai pas prévu. Moi j'ai juste de monter. Quoi? Mais comment je vais faire pour le remonter? Ah bah ça je sais pas, surtout que j'ai pas de plan. Tu veux dire, faut que je me démerde. Mais il revient de réparation, il revient de révision, et toi tu me redémontes tout. Bah, moi j'ai pensé que ça te ferait plaisir, un petit Multiforce 7. Ouais, 7, même pas 14. Ouais bah si tu veux, je peux le désosser encore un peu plus. Non, c'est bon, touche plus rien. Putain, je suis dégoûté. Oh, bah jamais content, mini-moi. Pfff, va rendre service. Ouais, il a désossé mon méca.
would have waited an eternity for this. It's over, Prowl.